Démosthène Agraphiotis, qui nous vient d'Athènes, qui connaît très très bien le français aussi. Bonjour. Ça, déjà, et Démosthène, en fait, nous nous sommes connus au Vietnam, comme beaucoup de gens. Donc sur les fronts de la guerre. Donc en fait, nous nous sommes connus sans vraiment nous connaître à l'époque. Sur un autre front, qui était celui de révolution poétique, que certains connaissent. Vous connaissez par évocation certains le désormais mythique bombardement de Gênes, qui était un lancer de poèmes sur la ville de Gênes. Combien de poèmes encore dans la ville ? 50 000. 50. Donc lancer des hauteurs du Palazzo Ducale. Il y a des vidéos sur Facebook, sur YouTube qui le prouvent, désormais. Et c'était le 30 juin 2002. Il se fait que, donc c'était avec Ferlinghetti, Rodolowski, Bertoli et d'autres, et il se fait que les mêmes jours, mais on s'en est rappelé récemment, il y a un an, quand on s'est vu pour la première fois en Bretagne, oui, Gênes, Bretagne, mais les liens se tissent. Voilà. On essaie de suivre. On a réalisé qu'on était là les mêmes jours. Donc il était bien là. Et puis il m'a envoyé toute une série de photos avec Lawrence Ferlinghetti. Et qu'il a d'ailleurs accueilli en 2001, le 21 mars. Une autre chose que j'ai appris, vous savez, on a le Nouvel An poétique ici. Le 21 mars est désormais connu maintenant comme la Journée mondiale de la poésie, en plus que du printemps et du Nouvel An iranien. Et en fait, je savais que Ferlinghetti avait lu en 2001 un poème qui était l'oracle To the Oracle à Delphi, qu'on a publié dans Blind Poet d'ailleurs. Mais ce que je ne savais pas, c'est que d'abord Démosthène était là aussi. Il est partout là où on ne sait pas où il est. Là, on sait qu'il est là. Voilà. Et là, surtout, il n'est pas vraiment là, tu vois. Et surtout, il avait lui-même organisé cette première journée mondiale de la poésie. Et donc, vous voyez dans la phrase que je viens de dire, ce que je ne savais pas, c'était en fait la première fois, le 21 mars 2001, que c'était la journée mondiale de la poésie pour l'UNESCO. Chose sur laquelle Démosthène me dit qu'il n'était pas très enthousiaste, sur le fait qu'il y ait une journée dédiée comme ça à la poésie, un jour précis. Oui, parce qu'il y a un jour pour le handicap, un jour pour la femme battue, un jour pour la poésie. Alors là, mais maintenant, et là, rien à dire. C'est au poète de le transformer, de glisser en inspiration. Et donc Démosthène avait dû organiser cela à Athènes, à Delphes aussi. Et la troisième fois, donc on ne savait pas qu'on serait co-présent, c'était en Bretagne. Moi, j'étais en résidence l'année d'avant. Et lui était le poète résidence du festival Sémaphore. Et c'est tombé bien parce que Serge Peille, un ami commun, avait proposé d'inviter Démosthène pour le festival. Et donc ça a pu permettre de se rencontrer, d'échanger un peu avant le festival. Et puis il y a quelques mois, Démosthène, comme ami fort, qui était aussi du festival, m'écrive en disant voilà, il réalise qu'en fait la Maison de la Poésie d'Amé et la résidence ont un lien avec moi, et me demande les conditions pour une résidence. Et il se fait que Démosthène vient de passer 3 semaines, déjà, en résidence. Démosthène, qui a aussi une charmante jeune dame, qui est sa fille, qui habite Bruxelles. Voilà, comme ça on l'a dit, qu'on allait faire connaître toute la famille. À Bruxelles et à Amé, pour papa aussi. Et une belle fille en plus. Ηρυθμοί αναπνοής, ύστερα ψυχολογμοί άρνησης και εκφώνηση της πρώτης και της τελευταίας λέξης. Mieux vaut la dissolution, le rythme de la respiration après les gestes du refus, la formulation du premier et du dernier mot. Ce qu'on appelle en anglais enactment of performance. Alors, ça sera une petite célébration des 3 langues, grec, français, italien. Πιέσεις ενός ήπιου κόσμου, γράφοντας μόνο για φανατικούς τεκμηριωτές,
στο φτιάξιμο του κρασιού. Η ευκαιρία μιας μακράς διαδικασίας καλλιεργείται πριν από όλα στα υγρά χείλη, το ελάχιστο. Le minimum, il minimum. Δικαιολογία. Justification. Οι αγώνες των ποδηλάτων μέσα από απόστασης, γιατί. Γιατί, ça veut dire pourquoi. Jamais donné compte rendu des noms, les courses cyclistes de moyenne distance. Pourquoi? Mai dato reso conto dei no, le gare ciclistiche di media distanza. Calme, immobilité et les tristes fanatismes. La place vide, ombre, réverbération. Je vais lire le grec, excusez-moi. Calme, immobilità e i tristi fanatismi. Il posto vuotos, ombros, riverberos. Ας γίνουν οι επικαλύψεις με κοινοτοπίες. Ας σημειωθούν τα όρια του ασήμαντου. Έφτασαν εφήμερες προσωπικότητες. Η περίπτωση δεν είναι μοναδική, όπως και κάποια εξειδικανίκευση των κινήσεων. Insulte évidence, insulto evidenza, va la storia, bien sûr écrite à la craie, ovviamente scritta col gesso, sur les rives d'une cause latente, sous les rives d'una causa latente. Αιτία, παρόλο τις ενδείξεις και τις συνέπειες, τα γλιστρήματα εκτοπίζουν τους διαρκείς χρόνους. Τρία σημάδια στις πόρτες για το ύψος της πλημμύρας. Retenue en vue, trattenuta in vista. Retenue en vue, trattenuta in vista. L'absurdité προχώρημα, το άτομο της προσπάθειας για την κατάδρευση των οριζόντων, σταθμοί, πληροφορίες, επιστροφές, αυθαίρετες, κατατμήσεις, arbitrari, fragmentation, affluence, écoulement, et plein d'autres divisions. Vivant dans une langue morte, avec les ridicules des noms, ouverture, vacation, faute en tant que version, crise d'anxiété. Guardi insistenti, errori in tanti versioni, gridi di angoscia. Marma για ποιο λόγο. Esclave di libertà indicibile. Schiavo di una libertà indicibile. Οι περιπατητές, οι διατύχοι με τους καθρέφτες. Moisissure et la beauté. Ligne infinie de transformation. Sourire ouvert avec le temps. Ενέργεια μιας μονής αναταραχής, το όνομα της πλάγιας Ανδρασίας. Époque souterraine. Époque souterraine. Η μεταμέλεια καταστατηγεί όλους τους κανόνες και όλους τους νόμους της βαρύτητας. Οι παρατηρήσεις ταμπώνουν από την άδικη παράλυση του τέλειου και η πυκνότητα των εδαφών. Rigidité de parti pris parce que les femmes se consacrent aux habitations sacrées, aux monts sauvages. Η επιβίωση. Για το τέλος θα κρατηθεί η απάρνηση. Δεν αναβάλλονται πια οι ψευδολογίες, οι αποχρώσεις της απάτης. Παγιδευμένη στην εικονική ενδοτικότητα, στις ανοκλήρωτες φράσεις, ανίκιο, φαινόμενα, συμβάσεις, αδεξιότητες. La survie, pour la fin, on perdra la délégation, impossible d'éviter les rumeurs, les niances et les postures, piégées dans les complaisances fictives, dans les phrases inachevées. Per la fine conserveremo il diniego. Impossibile evitare i pettegolezzi, le sfumature dell'impostura, intrappolati nella compiacenza fittizia, nelle frasi lasciate in sospeso, non familiare, fenomeni, goffaggini, convenzioni. Nicht, nicht, nichta, nichta, nichtes, χωρίς τη βοήθεια του έκτακτου προσωπικού. Nuit, sans l'aide du personnel intérimaire. Night, 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 night
Night! Night! Nights! No help from the flitting. Nacht ohne den Einwand des Hilfespersonals. Ohne den Einwand des Hilfspersonals. Yoru Officio ni Yoru Dare no Yoru Inai Yoru Iranai Yoru Yoru Officio ni daremo inai Iranai I sa langue préférée ou sa langue non préférée, on va essayer de lire ensemble. Langue. Et sans langue. Tous ensemble, vous avez un papier, non? Vous. Oui, oui, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Vous me l'avez offert? Oui, oui, vous me l'avez offert. Oui, mais pas. C'est mieux à l'oral. Voilà, l'idée c'est très simple. On va lire en même temps. Chacun, il fait un choix. Ok. Et voilà. Un, deux, trois. Poesia, fisi, dictu. Poetry, fisi. A me. Liège, Wallonie, Belgique. Rennes, à Metz, Bruxelles, Athènes. Dendron Caput. Poetry.
Nous aurons l'occasion de célébrer aussi la langue italienne. Et pour le moment, on reste avec deux langues. Via Lydica, le poème traduit du grec par Gérard Pierra. Gérard Pierra a traduit en français surtout Rianus Ritus. Προστορικής λήψη, κουλουριασμένος η κέλυφος διαφανές, αδιαφόρο για τις γνώσεις, τις χρήσεις, σαλεύω μονάχα για τις αποστάσεις, το άδειασμα των εικόνων στη μεγάλη παγάνα. Affiliation préhistorique, recroquevillée dans une coquille transparente, indifférente, aux connaissances, aux usages, à peine si je bouge pour les distances. L'évacuation des images à la grande drague. Ψάξιμο, συρτάγια παιχνιδιών, σοφίτες εικόνων, μοίρασμα των σωμάτων σε νέα θεμέλια. Ενότητα, γραμματική, αποδοχή του κομματιάσματος. Fouille, tiroir de jouets, grenier d'images, répartition de corps sur de nouvelles fondations. Unité, grammaire, acceptation du morcellement. Δείγματα κοινά καταλόγων, στοιχειοθετημένες κατάρες. Γεγονός αποκομμένο από την αξία του. Spécimen, lacune de liste, malédiction imprimée, événement, abuté de sa valeur. Βότες συνοικίες, το άδειγμα καταστρέφει τις συνέχειες. Κοινά του κορμιού, οι αποχρώσεις σαπίζουν από την αδράνεια, υπερβολή των αναζητήσεων. Flânerie dans le quartier, le contact ruine de continuité. Vide du corps, les nuances pourrissent sous l'inertie. Excès d'investigation. Επιβεβαίωση, εκτέλεση, στο στίχημα των κοινών σημείων αρμούδι κατάλογοι των εργατών. Ουτοπία, επιφάνειες, απογοητευτικά σήματα, βιβλία με τρύπες, όλα καίγονται, κατακλυσμός επαναλήψεων. Confirmation, exécution. Au pari des points communs, on ignore les listes des travailleurs. Utopie. Surface, signaux de déduction. Livre, criblé, tout brûle. Cataclysme. Des répétitions. Désignant mes membres atrophiés, mettant aux enchères mes airs affectés. J'évite ainsi de mordre. Mais c'est pour ce que je viens.